T'es pas prête? Vas-y. Tu t'appelles comment? Angelo. Angelo, ou tu es en quelle classe, Angelo? Je suis en 5e au collège du Matago. D'accord. On a remarqué que tu étais présent pendant tout le festival. Parce que sinon je viens tous les ans. J'essaye de venir souvent tous les jours parce que de une, j'adore les stands. Cette année, bon, c'est dommage, il n'y avait pas vraiment beaucoup de stands. C'était compliqué cette année, je te l'accorde. Et mais ce qui est génial, c'est surtout les films qui apprennent beaucoup de choses. Et souvent, il y a beaucoup de films qui sont juniors avec des enfants qui expliquent eux-mêmes et qui ont des raisonnements logiques dignes d'un adulte. Par exemple, dans le film, là, je me souviens plus, là, le film qui vient de passer. Il y a quand même, voilà, l'Islande. Ils ont quand même fait des raisonnements que moi, je me suis dit, quand même. Soit ils ont répété avant, soit c'est leurs profs qui lui ont dit, soit ce sont des génies. Et toi, tu te poses quoi comme question? Moi, je me dis plutôt, j'aimerais bien être à leur place. Ouais. Parce que c'est incroyable. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu comme film pendant le festival? Comme film pendant le festival, c'est me demander... Tous. Moi j'adore tous les films. J'essaie d'apprendre de plus en plus de choses. Et je sais du coup de plus en plus de choses. Déjà que je sais pas mal de choses. Par exemple, sur les machines qui arrivent là, sur la plongée. Ouais. Je savais déjà pas mal de choses sur comment ça a évolué. Comment on est passé des plongeurs païens qui descendaient comme ça en apnée à. Au gros rover qu'on envoie dans l'eau maintenant. Donc tu préfères le milieu marin, pas de préférence, tu aimes tout. Tu aimes tout, tu aimes la planète au sens large du terme, c'est ça? Bravo. Merci beaucoup. De rien.